Alors, j'ai vécu cette interpellation policière d'une manière au début assez, assez choquante, mais pas choquante dans le sens wow, c'est horrible. Non, c'était plutôt ah non, mais qu'est-ce qui m'arrive? En 2 secondes, toute la place était encerclée. Il y a un mec braqué comme ça qui m'a arraché la caméra. Bon, j'étais là, non, je m'accrochais à ma caméra, puis je fais, mais c'est un flic. Ah. Et puis voilà, j'ai dû m'asseoir, on était tous assis. Tous les gars qui étaient à ma gauche étaient à genoux avec les mains attachées avec des colsons. C'était très désagréable d'être au milieu de cette place. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de tristesse pour les garçons qui étaient à genoux et attachés. Même si je sais que d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette place. Donc, ils ne débarquent pas comme ça au hasard. Je pense qu'ils ont réussi à arrêter une ou deux personnes qu'ils voulaient arrêter, qu'ils surveillaient. Maintenant, je pense qu'ils ont besoin de faire des descentes comme ça pour faire un peu peur, pour embarquer tout le monde comme ça sur le vif, pour poser des questions. Je pense qu'ils ont besoin de marquer le coup aussi comme ça. Mais je ne suis pas policière, je ne sais pas. C'est très mitigé, j'ai un avis très mitigé. Mais je ne crois pas que ce soit sain pour les jeunes garçons, les jeunes hommes et puis les petits garçons, parce qu'ils sont encore plus remontés. Par exemple, quand tout le monde est parti, toute la place a crié, enfin tous les gens autour, tous les garçons autour ont crié « Waouh !» C'était un cri de libération comme ça, ils se sentaient oppressés. Il y a des gens qui se sont intéressés, qui m'ont adressé la parole, qui m'ont jamais adressé la parole avant. Donc ça, c'était touchant. Mais beaucoup de garçons, et donc ça j'aimerais transmettre, c'est important pour moi, beaucoup de jeunes garçons m'ont adressé la parole alors qu'ils ne m'adressaient pas la parole avant pour me demander de faire des excursions, de faire des choses, des activités. Les solutions pour essayer de changer les choses, je réfléchis à ces solutions depuis que j'essaie de construire un film. Et c'est vraiment très 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 complexe. Je pensais avoir toutes les solutions au début, un peu comme une héroïne comme ça. Et en fait, j'ai pas de solution. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Très 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 très, très complexe.